Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode donc de Watch Dogs 2. J'espère que vous avez passé jusqu'à maintenant une très bonne semaine. Alors, du coup, Ah, merde, est-ce que nous non. avons aujourd'hui un nouveau Désolée, je... DLC activé? Ok, oui. Écoute, je suis désolée, On mais... est complètement inspiré par Nouveau DLC activé. Bon, ce sera le même DLC qui était Écoute, présent je vais devoir... depuis le début du jeu. Ouais, Vas-y, comment? Ok, Ah non, on se parle non, plus non, tard. non, non, non. Hein? Donc là, on a des Tag. points en plus. Tag. Ouais, pas de Cool, soucis. ouais. Ça Attends, ça marche. Le point de Quoi? follower. Alors. Attends. Super! Non, non. C'est vraiment cool! Allons Super! voir. Ah, merde! Non, je... Désolée, Ok, oui. Écoute, attends, je suis désolée, mais je vais devoir te... Désolée, ça coupe. Ça remarche. Ouais, pas terrible. Écoute, je vais devoir... Ouais, ok. Ok. On se parle Je plus t'appelle tard. parce que... Alors, nouvelle J'ai besoin... la mission, Ah oui. rencontrer le paparazzi. C'est Alors, ça veut dire parti. que tu... Je vois. Alors allons-y, les amis. Alors rencontrer le fameux paparazzi. Alors malheureusement, j'ai pas encore la compétence de pouvoir déverrouiller les voitures sans avoir à actionner l'alarme, malheureusement. Ce sera certainement le cas une fois que j'aurai effectué. Enfin, une fois que j'aurai acquis les points nécessaires pour pouvoir obtenir un niveau supplémentaire. En espérant que la mission se passe plutôt bien. Alors vous voyez que c'est un peu dérangeant honnêtement par rapport à la façon de jouer par rapport au premier Watch Dogs. Je sais pas si vous avez vu les canalisations, je suis obligé de... Alors pas les canalisations, mais alors c'était pas cette touche là que je voulais utiliser. Vous êtes obligé d'actionner la touche en deux fois. Alors pas pour la voiture. Alors, je vais m'arrêter à un moment donné pour vous montrer. Je trouve une canalisation dans les environs. Bien évidemment, ça va de soi. Voilà. Voilà une canalisation. Sauf que. Vous voyez, il faut que j'appuie une fois sur la touche du milieu de ma souris et que j'active une option. Donc soit pressuriser l'explosion, enfin la canalisation. Soit, alors attendez, il me semble que c'est pour la désactiver. Bien sûr, c'est temporaire. Et F, je n'ai aucune idée. Alors que dans le premier Watch Dogs, si vous vouliez faire exploser la canalisation, vous aviez juste besoin d'appuyer sur une seule touche. Donc ça fait pas mal de paramètres à mémoriser, mais bon, ça vient avec l'habitude. C'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, notamment si vous êtes sur une course-poursuite. Vous devez mémoriser que vous devez appuyer sur deux touches. La touche du milieu sur votre souris, ainsi que la touche espace si vous voulez faire exploser la canalisation. Alors voici le paparazzi. Alors juste un moment. Un moyen de pouvoir grimper. On part ici apparemment. D'ailleurs, il me semble que sur ce watchdog, vous n'avez pas de métro. Vous avez le tramway. Mais
remorque, vous me direz, ça change pas grand chose. Donc vous avez un moyen de transport. Alors il faut que je trouve un moyen de pouvoir accéder au toit parce que là je ne sais pas. On va essayer de regarder autour. Juste après. Oh, pardon. Après la pause, nous recevrons. Attends, je sais pas. Ok. Bon, j'ai trouvé. Enfin, du moins, je croyais avoir trouvé. Attendez. Voilà, c'est bon. Je crois que ça y est, j'ai trouvé. Je vais aller faire le tour. Voilà, on va pouvoir commencer la mission. Si tu veux savoir où est la voiture, t'as intérêt à me filer du gros, mec. Gros genre Jimmy Siska et Nelly Shire ? Ils couchent ensemble ? Je le savais. Voilà, ça c'est du sérieux. Compte sur moi. Cool. Super cool. Ok, je t'ai envoyé l'itinéraire GPS de la voiture. Très bien. Nous avons l'itinéraire, on doit voler la voiture. Est-ce qu'il y a un moyen plus simple de descendre ou est-ce que je vais devoir... Je sais que sur Watch Dogs 1, j'avais l'habitude de sauter à cette distance, d'avoir quelques dommages, mais je pense que ça va être risqué si je le fais d'ici. Alors essayons sur la poubelle peut-être. Ah, ça va. Ok. Je vais quand même essayer de... Non, 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 c'est toujours au même niveau que la semaine dernière. Ça, que lundi, pardon. Ça va de soi. Une petite. Ah, c'est bon, la voiture était ouverte. Je pense que quand je posséderai de nouveaux points, la première chose que je ferai, ce sera d'acquérir la compétence concernant le vol de véhicule. C'est-à-dire de pouvoir prendre un véhicule sans avoir à détruire une vitre. Alors, nous devons aller à l'intérieur et prendre cette fameuse voiture. Nous devons examiner les lieux. Entouré évidemment par la police. Non. Force de sécurité Humeni. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On peut peut-être passer. Alors, attendez. Regardez par ici. Et une entrée par ici, latérale. Alors, ce que je peux faire, c'est attirer F. Voilà, c'est bon. Non. Là, c'est quoi ? Attends. Wow. Ouh. Ah. Putain, on a perdu un agent. Ok. Alors, de l'autre côté, excusez-moi, je suis un peu malade. C'est un peu différent. Voilà. Ça doit être mon taser, je pense. Alors. Non, mon taser est ici. On a une cible potentielle dans votre secteur.
On va y aller parce que de toute façon j'ai pas envie de perdre mon temps avec ces... Allons-y, on va prendre cette fameuse voiture. Attention, on me tire dessus. Merde. Attention. Allons-y. Je sens le furieux surtout! Ligne de mire bloquée, on change de position. Vous n'êtes pas autorisé à conduire ce véhicule. Ah ouais? Bah je m'autorise là, t'as vu? Wrench, t'as entendu ça? Elle parle la bagnole! J'ai trop sombre pour mes capteurs. Hé, bitch, je suis black et je suis fier, moi. Dis plutôt à tes capteurs de se recalibrer. Aucune référence pour black. Bah ça, ça m'étonne pas. Préparez-vous à traverser une zone de turbulence. Accroche-toi bien au siège, Evan. Toi et moi. Nous allons remplir. Hey, c'est dans le film de Siska, ça, non? Hé, hey, Range, t'as entendu ça? J'ai grave de la nitro dans mon carburant. Voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Attends, quoi? La bagnole vient juste de sortir une réplique du film. Ouais. Oh, c'est pas possible, c'est trop cool. Du suspect. Ok, c'est bon. On se retrouve au garage. Ça va, pas de soucis. Parfait, mission réussie, les amis. Et bah, dis donc. C'était pas évident. Non, c'est Devon von Devon, biatch. Vous n'êtes pas Devon. Devon von Devon est sexy et bronzé. Et pas vous. Ah, déconne pas. Je suis quand même carrément plus bronzé qu'un mec qui s'appelle von Devon. Ils ont même pas pensé à un capteur pour Black chez Galilée. Mes créateurs ont vraiment pensé à tout. Bah apparemment pas, non? Eh ben dis donc, c'est pas évident d'échapper à la police et ainsi que l'hélicoptère si vous jouez à Watch Dogs 2. Après, question d'habitude. Parce qu'avec le temps... J'y arriverai sans problème, mais là c'est vrai que c'était un peu difficile. Ça me fait penser à K2000. Cette bagnole, c'est un truc de fou! Galilée s'est bien démerdé en faisant payer ce machin au studio. Ce machin, tu l'as entendu parler? Non. Ça va au-delà de la reconnaissance vocale. Ok, les procédures de script sont améliorables, mais. Les réponses sont ultra pertinentes. T'imagines tout le boulot que ça a dû représenter. Galilée parlait d'apprentissage artificiel pour leur sonde martienne, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi avancés. Quoi? Oh merde. Oh, c'était toi. Je n'approuve pas que vous me conduisiez, Marcus. Vous n'êtes pas aussi bronzé que Devon von Devon. Ouais, trop de punchline pour une voiture qui parle. Wouh! Toute belle et toute brillante. Donc en fait, elle parle pas? Bah, elle fait...
50, ça? Tu sais quoi? Va chier, en fait. La voiture est conçue pour des commandes autonomes, mais il n'y a rien de programmé ou de calibré. Il y a du potentiel, mais c'est pas optimisé. Pas mal. Ah, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser. Positif. Non, elle est juste débile. Alors c'est ça le plan? Réparer une smart car qu'une agence spatiale a foiré? C'est un problème? Non, je m'en occupe. Ok, mission accomplie. Parfait. 4 points de recherche. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Et on continuera donc la semaine prochaine. Je pense que avant de quitter, j'ai peut-être débloquer une compétence, ouais, quand même. Ça va me coûter beaucoup de points. Quoi. Et 5 points pour la compétence. Ça fait beaucoup quand même. Mais bon, au moins c'est fait. J'aurai plus de problème à pouvoir déverrouiller des voitures. Ok, on va s'arrêter là, les amis. Du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour une mission principale, donc ce sera toujours sur le Cyber Driver. Et ouais, la première partie, donc lundi, aujourd'hui c'était la deuxième, donc j'imagine que ce sera probablement l'une des... Je sais pas si ce sera la dernière partie de la Cyber Drive ou s'il y en aura d'autres encore. Généralement, vous voyez la barre de progression ici. Donc on continuera la semaine prochaine. Entre temps, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à lundi. À bientôt. Ciao, ciao.